La conclusion d'un partenariat entre la nouvelle dimension de la radio-télévision Shalom et les amis des Dédonés Ngoyej ADN, une structure chère à l'honorable député provincial Lulu de Lubumbashi, Ngoyej Tsikwes Dédoné Pablo, sujet qui a été sur la table de discussion entre cet élu du peuple et le directeur général de cette institution médiatique, Patrick Jean-Jacques Moulonda Bonza, lors d'une entrevue de près de 20 minutes qu'ils ont eue dans les cabinets de travail de la direction générale. L'occasion faisant les larrons, l'honorable Pablo Ngoyej a visité les installations des Shalom Radio et Télévision du bureau de la direction générale en passant par la salle de montage, la régie radio ainsi que télévision, les studios radio et télévision et la salle de rédaction. À l'issue de cette visite, l'honorable Pablo Ngoyej s'est dit impressionné positivement de la qualité des conditions de travail. Ben, vous me voyez tout heureux parce que je trouve que c'est une initiative de la jeunesse. En commençant par le promoteur lui-même, qui est jeune, félicite en passant l'honorable Jean-Didier Mérinda. Le travail qui en sort devrait être à la hauteur des conditions qui nous ont été offertes par le promoteur. Félicitations et bravo. Je vois une équipe dynamique et j'aimerais que ce dynamisme-là soit matérialisé par la qualité du travail que vous produisez. Tout porte à croire que le ciel est bleu entre les amis de Dédoné Ngoyej ADN et la nouvelle dimension de la radio-télévision Shalom. Bientôt, un partenariat.